Bonjour, euh, Maître Gilles Devers. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Alors, plus de 600 signataires d'une plainte contre l'entité sioniste pour génocide perpétré à Raza dans des États comme l'Algérie, les États membres de la CPI, la Cour pénale internationale, dans l'Afrique euh, du Sud et la Bolivie. Le dossier d'aujourd'hui avance favorablement. Le, les procureurs euh, doivent agir ou ils sont contraints aujourd'hui d'agir, Maître euh, Devers. Les événements, euh, pour toute personne responsable, les événements nous obligent à agir. Et euh, cette plainte rencontre un, un véritable écho. Euh international, Ce que chacun peut observer à travers c est, c est la réponse des ONG, il y en a 180 à ce jour, des avocats plus de 600, puis surtout c'est les barreaux qui se mobilisent. Donc les événements nous obligent et je pense qu'ils obligent également la Cour. En tout cas, moi je vois après un, un travail long, vu que c'est depuis la première plainte date de janvier 2009 jusqu'à ce jour, que nous avons maintenant une véritable qualité de travail avec le bureau du procureur de la Cour. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est simple, c'est une organisation internationale qui est complexe. Il euh, n'y a pas une procédure qui est aussi lisible que devant un tribunal national. Mais euh, à ce jour, et je suis très heureux de pouvoir en parler sur la radio algérienne avec tous les amis du barreau qui sont réunis aujourd'hui à Alger, on n'a jamais été dans une position aussi avancée et j'allais même dire aussi favorable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est-à-dire les preuves acculent l'entité Nice, de façon concrète puisque certains vous disent aujourd'hui qu'étant pas membre de la CPI, la Cour pénale internationale, euh, euh, l'entité sioniste ne peut pas être poursuivie en justice. Alors ça c'est une question et moi je, je rajouterai deux autres points si vous me permettez mais pourquoi il faut déblayer le terrain c'est-à-dire que on est venu à Alger pour parler des choses sérieuses et on nous oppose toujours des obstacles qui, qui ne viennent pas la route une minute on commence par nous dire mais Israël a le droit de légitime défense mais depuis quand une puissance militaire occupante a un droit de légitime défense enfin c'est contraire exactement à l'idée du droit et la Cour internationale de justice l'a expressément jugé dans l'affaire du mur en disant il n'y a pas de légitime défense. Ensuite euh, le, le Hamas terroriste mais le mot de terrorisme ne figure pas dans le statut de la Cour pénale internationale c'est une juridiction sérieuse, c'est pas les palestiniens qui ont rédigé le statut le mot terrorisme n'y est pas vu que c'est un mot qui a une réalité, je suis d'accord, mais qui fait aussi l'objet de toutes sortes d'abus et les résistants algériens étaient les plus grands terroristes et Mandela était le plus grand terroriste de l'histoire. Donc le mot terrorisme il n'est pas dans le statut voilà. Et ensuite pour ce qui est de la compétence de la Cour, par rapport à la position israélienne, elle a été tranchée après un débat de procédure qui a duré pratiquement pendant huit mois avec des groupes très influents qui s'étaient présentés pour défendre la cause d'Israël en disant que la Palestine n'existait pas, qui était dirigé notamment par Badinter, l'ancien le, 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 ministre socialiste, et qui a eu tort, qui a eu tort avec toute sa superbe, qui a eu tort Tort, vu que euh, la Cour a jugé en disant que euh, la Palestine était un État et que cet État a compétence sur la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Ce sont des questions qui ont été jugées. Donc tout crime qui est commis sur le territoire, il relève de la compétence de la Cour. Alors Israël avait dit, mais si y a un jugement comme cela, il y aura appel tout de suite. Il y avait des États, dont l'Allemagne, ils n'ont pas fait appel. Et maintenant qu'ils n'ont pas fait appel juridiquement, il nous faut une espèce d'appel médiatique et politique. Ils ont perdu les Palestiniens. Il y a un endroit où les Palestiniens et sont égaux des autres, où tout citoyen palestinien est égal de tout citoyen, c'est à la haie devant la Cour pénale internationale. Donc ah, c'est une bonne adresse. Mais toutes les preuves aujourd'hui euh, sont réunies et les conditions du génocide sont également réunies pour apporter les preuves concrètes pour la condamnation de l'entité sioniste je dirais que... Toute personne qui a le cerveau branché, si vous me permettez l'expression, et euh, qui voit euh, les images, qui apprend euh, par un communiqué de l'armée euh, israélienne que la nuit, on a bombardé 140 immeubles. Qu'est-ce que c'est 140 immeubles bombardés C'est une guerre ça On appelle ça une guerre On appelle ça une armée On appelle ça des bouchers euh, Quand euh, euh, on voit euh, 52 membres d'une famille qui sont rayés en une fois parce que c'est une guerre aussi, non, ce sont des actes de de type génocide mais surtout euh, juridiquement euh, il y a une notion il y a deux notions de génocide qui sont dans les textes et dans la jurisprudence vous avez une première notion de génocide c'est l'extermination physique ce qui était le génocide juif sous les nazis Bon, ce qui n'est pas le cas pour les Palestiniens. Il y a beaucoup trop de morts, mais la condition du génocide par élimination physique, elle n'y est pas. Mais vous avez un autre critère qui est défini depuis l'origine et qui a souvent été jugé, c'est le génocide par destruction du groupe social. Donc en fait, on ne vous tue pas directement, mais on vous dit que de toute façon, vous n'avez plus aucune possibilité de vivre comme cela. Et donc ça, c'est blindé de décisions de jurisprudence. Et je ne vous donne pas mon avis. La plainte, elle n'est pas rédigée avec ce que Gilles de Ver pense. Elle est rédigée par rapport à ce qui a été jugé. Et notamment jugé dans l'affaire des Rohingyas par la Cour internationale de justice. Et quels sont les éléments que euh, la, la, la Cour a, a pris en compte Elle prend en compte la coupure de l'eau. Ça nous parle pour Gaza. Elle parle ensuite de l'électricité, de l'énergie. Elle parle de la raréfaction de l'alimentation. Elle parle de la destruction des maisons. Et elle parle des transferts forcés de populations sous la menace. Et elle parle de la répression. Mais là, on n'est pas sur la répression. On est en plus sur des bombardements massifs, vu que les victimes sont à 98% des victimes civiles. Et tout ça s'inscrit dans un discours qui selon la jurisprudence là encore est un discours déshumanisant en disant que euh, on a affaire à des animaux et en leur disant que euh, on est supérieur à eux donc on peut les éliminer c'est à dire que vous avez une source immédiate qui est ce discours déshumanisant et vous avez une source profonde qui est le refus de prendre en compte le droit à l'autodétermination du peuple palestinien la source dans ma plainte la plainte elle démarre en 1917. Parce qu'en 1917, quand on décide de créer un État juif, alors qu'il existe un État de Palestine, il n'existe pas encore l'État, mais il y a la société palestinienne, il y a l'organisation. Immédiatement, le maire de Jérusalem y répond en disant Mais si des juifs veulent venir, qu'ils viennent, mais n'imaginez pas de créer un État juif, parce qu'on a toute une structuration qui est ici. Donc. Quand un peuple ne respecte pas l'autre, quand un peuple s'estime supérieur à l'autre, quand un peuple estime qu'il peut s'emparer de la souveraineté d'un autre, c'est la clé de la guerre et c'est la clé de l'instabilité de toute la région. et quand ensuite ce peuple est dirigé par un gouvernement extrémiste, comme c'est le cas actuellement, eh bien on en arrive à la pratique du génocide. Mais moi je veux faire le lien direct entre le génocide et le refus du droit à l'autodétermination. C'est qu'il ne peut y avoir génocide que si vous ne que si vous, vous considérez supérieur à l'autre. Mais aujourd'hui, Raza a une armée d'avocats pour la défendre à travers le monde, avec aussi plus de 180 ONG, les organisations non gouvernementales et des pays et des États, dont l'Algérie, qui a été la première par la voix du président de la République, à appeler, bien sûr, à condamner le génocide perpétré par l'entité sioniste. Quelle est votre réponse, justement C'est-à-dire, il y a aujourd'hui suffisamment d'hommes et de femmes pour se mobiliser aux côtés des Razaouis mais on a vu une situation d'effondrement intellectuel D'effondrement de la pensée juridique de la part des puissances occidentales euh, qui sont pourtant maîtres, du, largement maîtres du Conseil de sécurité, largement maîtres de l'opinion et largement maîtres de l'économie de dans le monde, donc de la domination. Et ça appelait une réaction, ça donc été, cette réaction était celle de cette plainte euh, en disant si vous, vous ne voyez pas ce qui se passe, on va vous dire ce qui se passe. Voilà. Et effectivement, au niveau des États, la première réponse est venue de l'Algérie avec la déclaration du Présenté, Boune a été suivi maintenant par beaucoup d'autres et le mouvement s'enclenche. Mais tout ça, ce ne sont pas des concepts qui sont libres. Ce sont des concepts juridiques qui s'imposent. Et euh, les, les quand on, on voit les, les, les positions qui sont prises par les dirigeants européens, en particulier, il y avait besoin d'un rappel ferme. Donc à ce jour, moi, ce que je constate avec l'expérience maintenant de cette plainte, qui a plus de pas encore un mois mais presque c'est qu'on a un véritable écho dans le monde et évidemment ici en algérie mais c'est la même chose avec le maroc avec la libye avec la tunisie avec tous les pays du pourtour de la méditerranée avec les pays africains mais ça va également du pakistan d'un côté jusqu'au brésil de l'autre euh, on a le paraguay avec des professeurs qui nous contactent et des gens du canada et de, de, tous, les, de tous les pays de tous les pays et chacun se rend compte de quoi si on accepte cela, ça veut dire qu'on brise le principe sacré qui est de l'égalité des êtres humains. C'est-à-dire que vu que tu me gênes, je peux t'écraser. Voilà. Et donc ça, toute personne, même intuitivement le ressent et dit non c'est pas possible et ensuite il y a une autre dimension qui concerne la paix dans le monde c'est-à-dire que si on accepte qu'un état dit tiens ce territoire m'intéresse ça serait mieux que je m'y installe et qu'il puisse décider d'exterminer la population en lui disant je tuerai tes enfants jusqu'à ce que tu te décides toi à partir eh bien on crée cinquante mille causes pour d'autres exactions et la, et, et, et c'est la paix dans le monde qui est menacée et là je fais référence à quoi à ce qui devrait être notre seule référence c'est-à-dire la charte de l'ONU qui dit que la paix dans le monde repose sur la coexistence des peuples et quand j'accepte pas de coexister avec les Palestiniens eh bien je crée la guerre voilà donc cette guerre elle a un auteur cet auteur c'est le gouvernement de l'État d'Israël alors euh, par rapport justement à, à cette plainte vous voulez aller même plus loin en obtenant un mandat d'arrêt contre natania je suis un avocat, les avocats qui signent avec moi s'engagent professionnellement et on ne prononce pas les mots à la légère, on n'est pas sur la médiatisation, on est sur l'explication de ce que l'on fait, mais on fait un travail sérieux qui nous engage et la plainte, elle porte des signatures avec des avocats qui donnent leur nom. Voilà. Donc on demande un mandat d'arrêt. Pourquoi Parce qu'il est dans la logique de l'application de la Cour. Et moi, je n'ai pas, à, quand je lis le statut, quand je rédige une plainte, à me dire... Ah, mais oui, mais en fonction de telle personnalité, en fonction de rôle dans l'économie mondiale, en fonction de ceci, il faut que je me prive de la lecture du droit. Le droit, moi, je l'ai appris à la faculté. Ce que j'ai appris vient des meilleurs professeurs. La profession, je l'ai appris de mes maîtres et qui m'ont appris comment il faut prendre position dans le métier, comment il faut saisir d'une cause. Donc, je fais une application méthodique des choses. Je vois que les crimes sont prouvés. Je vois qu'il y a la qualification juridique. Je vois qu'il y a des auteurs qui, en plus, ne se cachent pas, mais qui revendiquent en disant il faut que les Palestiniens comprennent. Qu'ils n'ont plus rien à faire ici. Donc, euh, comme cela a été fait par ailleurs par la Cour dans d'autres dossiers, on lui demande la même loi pour tous et donc des mandats d'arrêt contre M. Netanyahou en premier lieu, mais également son ministre de la Défense et le général qui est à la responsabilité de ces opérations militaires qui ne sont que des tueries. Mais qu'implique aujourd'hui ce mandat d'arrêt international ben, le mandat d'arrêt international aurait deux visions. La première, ça serait de dire que la Cour sait que juger une affaire de ce type, c'est très long, parce que vous voyez la, la, la masse d'événements qu'il faut avoir, apprécier, et que dans le cadre du procès au fond, c'est pour ça que nous avons besoin de cette armée d'avocats, euh, il y a 2,3 millions de victimes. Et moi, je ne veux pas qu'on dise 2,3 millions de victimes, je veux qu'on dise qui s'appelle ce monsieur, cette dame, cet enfant, il faut rétablir les vies, c'est-à-dire dire des vies brisées c'est une chose mais moi je veux qu'on les décrive je veux qu'ils aient une compte donc tout ça prendra beaucoup de temps mais en l'état actuel il y a une équipe du procureur qui travaille en urgence pourquoi parce que face qui est arrivé la justice elle doit donner une réponse qui parle bon et ce qui parle c'est de marquer une limite et marquer cette limite c'est le mandat d'arrêt donc ça voudra dire que si le mandat d'arrêt est ordonné le lendemain je reviendrai ici et on lancera un appel à toutes les puissances occidentales pour lui dire, on vous l'avait dit, maintenant vous ne pouvez plus soutenir celui qui est recherché. Pour le pire des crimes, c'est-à-dire le crime de génocide, vous avez l'obligation de prendre vos distances, ou autrement, c'est vous qui voulez vous trouver en situation de complice. Et le premier des complices, il s'appelle M. Biden. Alors, euh, Maître Gilles de Verre, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette plainte et les signataires aujourd'hui pour euh, ester l'entité sioniste devant euh, la CPI, la Cour pénale internationale. Est-ce que la raison de sécurité peut-elle légitimer l'épuration ethnique d'une population civile non, en aucun cas, et c'est le cœur de, de la plainte. Voilà, C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on ne peut pas faire, même en temps de guerre, euh, il y a des lois, il y a des bases, et euh, quand nous visons le génocide, il faut bien voir que nous citons euh, le texte le plus grave, c'est-à-dire qu'il y a les crimes de guerre, c'est l'article 8, il y a les crimes contre l'humanité, c'est l'article 7, et le génocide, c'est l'article 6. Voilà, donc euh, euh, c'est un... Euh, la, la, la commission de, de ce crime que chacun apprécie et qui encore une fois, j'ai rappelé tout à l'heure les critères de la jurisprudence qui sont complètement réunis je pourrais également rappeler le procès de Srebrenica qui a été jugé comme génocide, il y avait eu 8600 morts donc vous voyez qu'on est vraiment complètement dans les références mais la, la, la commission de ces événements devrait appeler, le, le, devrait réveiller toutes les consciences du monde, je vois qu'elle réveille les consciences parfaitement en Afrique qu'elle réveille autour de la Méditerranée mais qu'au point de vue européen ça reste bloqué, donc hélas ils se mettent dans le camp non seulement du perdant juridique mais du criminel et euh, cette procédure elle est là pour faire euh, exploser euh, cette euh, cette complicité absolument insupportable euh, qui remet en cause l'existence d'un peuple pour euh, la défense d'intérêts euh, inacceptables. Alors euh, toutes les puissances occidentales ont soutenu et cautionné ce génocide perpétré à Raza sous prétexte de la légitime défense, or qu'en 2004 l'entité avait été Condamné par la Cour de justice, estimant que l'entité sioniste n'avait pas le droit à la légitime défense parce que c'est une puissance occupante. C'est ce que vous avez expliqué dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui Partons de ce qui est euh, considéré comme étant euh, le droit. L'Occident fait fi aujourd'hui du droit international alors qu'il est à l'origine de son établissement. Il euh, l'ignore. Il voilà, il l'ignore, il espère peut-être que ça allait passer sans qu'on le voie. Hein, euh, oui, midi son ignoration. Peut-être aussi, voilà. Mais en tout cas, nous, on fait le rétablissement. Et euh, à ce jour, c'est avec la tranquillité d'esprit la plus absolue que je redis qu'Israël ne bénéficie pas du droit à la légitime défense et en faisant ça je fais référence euh, à l'avis de la Cour de Justice dans le mur où euh, Israël s'était euh, défendu en disant mais euh, moi j'exerce le droit à la légitime défense en construisant le mur parce qu'il y a des attentats terroristes sur mon territoire et c'est pas moi qui avait répondu, c'est la Cour Internationale de Justice qui avait dit mais vous êtes puissance militaire occupante donc vous n'avez pas le droit à la légitime défense et on peut compléter en disant mais si vous vous êtes pas temps ici, ben vous rentrez chez vous et puis vous mettez fin à cette occupation militaire. Donc euh, cette question-là, il faut considérer qu'elle est la base de, et là je le dirais c'est même assez concernant, elle est la base de la position euh, des États-Unis, le premier agent euh, fautif, mais également de toutes les puissances occidentales, l'Espagne et la Belgique font entendre un peu une voix dissonante, mais ça reste quand même faible et on aimerait entendre autre chose, quoi qu'il en soit, on leur donnera tort devant la cour. Mais est-ce que cette plainte pourrait être introduite au niveau d'autres tribunaux à travers le monde, par exemple euh, la Cour euh, africaine, européenne, même euh, au niveau euh, de l'Amérique il pourrait il y a, a d'autres possibilités et là nous avons deux jours de travail qui nous attendent avec de très nombreux bâtonniers, très nombreux avocats et nous allons voir comment mettre en musique toutes les diverses procédures. Moi, ce que je vois, c'est qu'avec la Cour pénale, comme je vous le disais tout à l'heure, on a le meilleur terrain parce que c'est la seule juridiction qui a reconnu que la Palestine est un État et donc on a une avancée considérable et elle a les moyens de le faire et on dit à la Cour, c'est un défi parce que depuis la création de la Cour, c'est le plus grand crime qui a lieu. Et si vous avez fait des choses dans d'autres cas que vous ne le faites pas ici, ça va créer une incompréhension, voire un discrédit, alors qu'il y a beaucoup d'États qui se disent, peut-être finalement, on pourrait rejoindre la CPI si elle était plus égalitaire, alors qu'il y a quand même un fonctionnement qui est problématique. Donc, c'est en même temps un enjeu pour la CPI. Et on pense qu'on aura une réponse positive. En tout cas, on travaille là-dessus. Et ça, c'est le rôle des avocats, de pousser la conviction. Mais il y a d'autres instances pour affirmer la juridiction, ce qu'on appelle la juridiction universelle. Euh, des, quand il y a des doubles nationaux, par exemple un français et palestinien, il peut agir devant le juge français. Euh, il y a également d'autres juridictions, et pour, la, la Cour africaine des droits de l'homme, qui est une juridiction très intéressante et qui joue sur la notion de peuple. Il y a également le comité pour les droits de l'enfant. Donc euh, cette, cette armée d'avocats, elle est là pour mettre en œuvre tous les talents, toutes les capacités nationales. Et nous avons pu lancer le mouvement. Euh, nous avons pu lui donner sa cohérence, mais maintenant, je compte vraiment sur le fait qu'il se crée dans tous les pays des comités d'avocats pour la Palestine et qu'un Palestinien, où qu'il soit dans le monde, sache qu'il suffit de nous contacter et on va lui trouver une équipe pour l'aider directement ou aider son avocat. Et il y aura des réponses multiformes, c'est-à-dire que ceux qui avaient pensé qu'ils pouvaient, avec un petit peu d'argent, euh, mettre la cause palestinienne sous le tapis, on les dément et on fera tout pour défendre les droits des Palestiniens dans toutes les circonstances devant tous les tribunaux. Alors, euh, en 2009, vous avez déjà, euh, à l'époque, dénoncé le double standard qui marque le droit international. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les membres du Conseil de sécurité pourraient bloquer la plainte contre l'antitationniste Juridiquement, ils en ont la possibilité, vu que oui. le statut le, le, le prévoit. Eh bien, je leur dis, essayez. Voilà. Essayez, vous avez le droit. Et si vous voulez faire un abus de droit de plus, allez-y, vous verrez le prix à payer. Donc, nous, on défend la justice, on défend le droit. Ce que j'observe, moi, c'est que j'ai rédigé j'ai signé cette plainte il y a maintenant trois semaines, et j'attends toujours un contre-argumentaire. C'est-à-dire qu'on me dit, j'entends des cris, j'entends des choses comme cela, j'entends du mépris. Mais moi, je m'en fiche du mépris, je m'en fiche des cris. Je leur dis, donnez-moi un contre-argumentaire, ou est-ce que je me suis trompé parce que la plainte, elle est faite sur les textes, elle est faite sur 25 décisions de jurisprudence. Eh bien, si vous voulez bloquer cette procédure, faites-le. Mais vous savez, c'est comme vouloir mettre, euh, faut vouloir faire taire une source en mettant une masse de béton dessus. Mais mettez la masse de béton sur la source, il n'y a pas de problème. La source, elle réapparaîtra plus forte. Alors, euh, la Charte de l'ONU dit que les conditions de paix, c'est la coexistence des peuples à partir du moment où euh, on veut euh, dégager des peuples de leur terre euh, où ils sont souverains. Donc, c'est la guerre. Et pour vous, cela a été conclu déjà en 1917 avec, bien sûr, euh, les accords de Belfour. La création de L'entité sioniste visant à implanter une force coloniale au niveau du monde arabe et au Moyen-Orient. L'objectif aussi, c'était le pétrole. C'était le pétrole, c'était la méfiance vis-à-vis -vis de ces peuples arabes euh, qui euh, allaient euh, trouver leur, leur indépendance après la longue phase euh, de, de l'empire ottoman. En empire ottoman, on sait qu'il avait beaucoup respecté les populations locales de telle sorte que euh, ils avaient fait le constat en disant "Mais il reste une administration ottomane quand elle va euh, quitter, euh, ben, les États seront pratiquement prêts." Donc, ils ont inventé les, 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 les mandats pour ces peuples qui allaient arriver à l'indépendance et puis ils ont été pris de panique en disant mais il y a le pétrole et puis qu'est-ce que est-ce que tous ces états vont pas, où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont donc qu'il nous faut quelque chose, il faut les mater. Et donc bah, l'opportunité est venue de reprendre l'engagement de 1897 et la demande de 1897 de création de ce qu'ils appelaient foyer national juif, mais ça c'était de l'habillage, c'était un état juif en Palestine et qui a été une opportunité. Pour mater et contrôler et diviser les peuples arabes. Moi, je sais qu'on trouve dans les documents historiques un rapport qui est fait par deux administrateurs des États-Unis qui, à l'époque, n'étaient pas les États-Unis colonialistes que l'on a maintenant. C'était King et Crane, qui étaient deux administrateurs et qui sont venus à la demande du président Wilson. Et le rapport de King et Crane, on le trouve très bien sur Internet notamment sur le site UNISPAL qui regroupe toute la, la, la base de données de la, de la Palestine. Et qu'est-ce qu'ils disent, King et Craig Ils disent, on est venu en Palestine. Mais ils ont dit, il y a une terre. Il y a une population, elle a sa manière de vivre, elle a une organisation, elle va être très vite un État, tout est en place. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs. Il a dit les juifs veulent venir plus nombreux, ils ont certainement le droit de venir plus nombreux. Et puis il y a une tradition juive en Palestine qui est tout à fait certaine. Mais il dit l'idée de créer un État alors qu'il y a cette société ici, on va entrer dans un siècle de guerre. Et ça c'est écrit en 1919. Donc on a eu un siècle de guerre. Et on ne sortira pas de ça. C'est-à-dire que, en l'état actuel, nous disons le génocide euh, parce que c'est une volonté de dire ce peuple n'a plus sa place sur sa terre. Moi, je pourrais. Vous savez, l'un des éléments moteurs de la, la réflexion, c'est un mail que je reçois un matin euh, d'un jeune Palestinien que je n'ai pas jamais pu recontacter ensuite. Donc, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être il est vivant, peut-être il est plus de ce monde. Et il faisait un mail de quatre lignes en anglais en disant, cette nuit on a bombardé ma maison, euh, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mes frères et sœurs, je suis seul, je n'ai plus rien, je demande simplement à pouvoir vivre sur la terre comme les autres. Voilà. C'est ça le génocide. Et euh, cette, cette capacité de dire aux Palestiniens, tu n'auras plus ta place sur cette terre, au nom de quoi Au nom de quoi Alors euh, l'entité sioniste est le petit bébé de l'Occident aujourd'hui, c'est pour ça que tout l'Occident soutient. Israël. Aveuglément et avec une une facilité qui est, je dois dire quand même déconcertante. Donc c'est vrai que au fil des événements, on avait vu que des principes d'analyse, qui étaient par exemple ceux de la diplomatie française que l'on retrouve dans des célèbres conférences de presse du général de Gaulle, euh, dans des déclarations au moment de Chirac et de Villepin, euh, ces principes-là qui, qui structuraient la diplomatie avec laquelle on pouvait être plus ou moins d'accord, mais je dirais qu'il y avait quand même une base, un langage commun. Tout ça s'est écroulé. Euh, et on est devenu euh, les serviteurs euh, de cette cause euh, d'envahissement euh, d'un autre peuple et de destruction du peuple palestinien, sous réserve de lui donner un petit peu de sous, sous réserve de financer ici un hôpital et de faire quelque chose, mais on ne veut plus entendre parler du peuple. Donc euh, les événements y ramènent la question du peuple palestinien au cœur du sujet et euh, on voit que ça divise et que c'est. Le, le, le sujet central et euh, que l'une des clés du cessez-le-feu, elle se joue par exemple dans la campagne électorale aux États-Unis où euh, le lobby euh, démocrate euh, qui était très favorable à Israël dit d'accord favorable à Israël, mais enfin quand même il y a des limites et euh, on sait que l'administration Biden surveille un peu ce qui se passe en Palestine, mais elle surveille encore plus ce qui se passe dans les sondages où elle voit une opinion en train de se retourner contre elle. Euh, donc euh, non, agissons de manière... De manière éclairée, mais avec une claire conscience des, des enjeux et en disant aux États, vous voulez soutenir un point de vue, ça c'est la vie internationale, vous voulez défendre vos intérêts, c'est la vie internationale, mais il y a quand même des règles que vous, vous ne pouvez pas bafouer. Vous pouvez le faire parce que vous avez les moyens économiques et militaires de passer en force, mais les additions que vous aurez à payer seront particulièrement lourdes. Et l'action en justice, elle est là pour permettre de rétablir au plus tôt l'ordre juste des choses. Alors, vous avez déjà en 2009 instruit une affaire pour la condamnation des officiers de l'entité sioniste pour crime de guerre devant euh, la Cour pénale internationale, une affaire qui n'a jamais abouti. Euh, et vous avez aussi parallèlement euh, dénoncé le blocus imposé à Gaza dans le coup, pour les Razaouis, est équivalent à 30 milliards de dollars en termes de préjudice. Oui. Tout ça, c'est des moyens qui peuvent aussi euh, être introduits pour, euh, euh, avec la nouvelle plainte euh, Tout ça ressort euh, du, du débat et c'est qu'un début parce que euh, quand on parle de 2009, en 2009, on avait une construction juridique pour aller devant la Cour et on disait, ce n'est pas possible qu'un qu être humain, un Palestinien, ne trouve pas une juridiction pour lui. Enfin, est-ce que, on va dire, on, met, on parle du droit, on parle des droits de l'homme, mais est-ce que vous pouvez me dire qu'il y a un peuple qui, qui n'existe pas Voilà, donc le cri, il était là au départ. Bon, mais les préjudice, il est énorme le préjudice il est considérable Il c'est la destruction d'un peuple quand on a le, ce chiffre de 30 milliards sur le blocus, c'est pas moi qui l'ai calculé, c'est la CNUSED qui l'avait chiffré sur une période à 23 milliards et puis on a fait l'extrapolation et euh, donc ce sont, ce sont ces réalités là qui sont des faits et les faits on ne pourra pas toujours les, les ruser. Moi ce que je veux souligner c'est que quand on démarre en 2009 il y a l'idée de dire il faut se faire entendre et il faut poser la question du droit de chaque palestinien comme être humain égal dans la société et pas toujours dire le monde plus les palestiniens voilà et depuis il y a eu de grandes évolutions notamment il faut saluer le courage du président Abbas avec qui on peut comprendre ou pas comprendre certaines choses mais je salue son courage ici encore pour avoir pu ratifier le traité de la cour pénale internationale en janvier 2015 faute de quoi on ne pouvait rien faire et ensuite son courage encore en 2018 quand il a fait ce qu'on appelle un référendum c'était c'est-à-dire qu'il a transmis la compétence palestinienne à la Cour et quand il y a ces démarches-là, qu'est-ce que c'est C'est la démarche d'un peuple qu'on a toujours accusé de terrorisme qui dit je me place sous l'angle du droit international et je me place comme sujet d'une juridiction internationale. Donc vous attendez les applaudissements fournis chaleureux de tous les pays occidentaux qui n'ont que les mots de droit de l'homme à la bouche matin, midi et soir. Or non seulement ils n'ont pas applaudi la Palestine, ils ont tout fait pour l'empêcher. C'est-à-dire que ceux qui ont un doute sur la Cour ils doivent se dire mais je leur dis mesurez tous les obstacles qu'on nous met pour agir en justice et vous comprendrez bien la force de cette procédure donc en l'état actuel tout ce travail a fait que avec les palestiniens on a beaucoup progressé et maintenant on doit rentrer dans une solution d'égalité la réalité c'est que quand la cour s'est déclarée compétente tous les Palestiniens, c'est-à-dire les, les groupes palestiniens, notamment les groupes armés, ont salué cette décision. Il faut parler du Hamas. Effectivement, le Hamas a salué la décision, a dit qu'elle était prête à coopérer avec la Cour, a dit qu'elle pratiquait la résistance dans le cadre du droit international et que s'il y avait des excès, la Cour qui le jugerait. Alors qu'Israël a dit que la Cour était antisémite et que son procureur général a publié un long argumentaire d'une vingtaine de pages pour dire que la Cour pénale ne comprenait rien au droit international. Donc, choisir. Si c'est votre camp, être votre camp, c'est le droit international, ou est-ce que votre camp, c'est une réécriture du droit Alors, c'est bien beau de lancer une plainte collective, mais si la CPI rend un verdict euh, en faveur de la cause palestinienne et si l'entité sioniste refuse de s'y soumettre, c'est quoi la résolution La suite par là. C'est la question de l'auditeur rapidement, maître euh, de verre. Le, le processus, tout processus international, il est long, mais euh, je dis, regardez par exemple les accords d'Oslo, le temps que ça a mis, et voilà où on en est. Donc à l'inverse, quand on a mis en place ce processus juridique devant la Cour, regardez les progrès que l'on a fait, vu que maintenant vous avez une Cour qui dit que la Palestine est un État bon. Et maintenant, qui va sans doute, on verra bien, tôt ou tard, lancer un mandat d'arrêt, j'espère le plus tôt possible, mais tous ces, tous ces éléments-là euh, se jouent. Et ensuite, il y aura des problèmes de complicité qui vont jouer, il y aura des problèmes d'indemnisation du peuple, Et il y aura ensuite des déclinaisons de tout ça sur le plan politique, sur le plan juridique, sur le plan médiatique, sur le plan de l'indemnisation. Donc c'est un travail de construction qui se fait. Moi, ce que je vois, c'est que je, 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 le droit à, à prendre sa place. Les palestiniens ont sans doute pas pu agir en justice. Je leur fais aucun reproche. Il n'y avait pas de juridiction qui existe. Prenez Sabra et Shatila. Qu'est-ce qu'on va faire à Sabra et Shatila Il n'y a même, jamais eu un procès pour cela. Maintenant, on peut commencer à faire ces procès, mais il faut qu'il y ait toujours un lien fort entre l'action juridique que l'on peut faire, qui peut être créatrice, et puis le lien politique et social, parce que l'issue, le, le droit va Donner un rééquilibre va permettre de repositionner le débat, mais les issues fondamentales, elles dépendent du rapport de force politique et social. Alors, euh, ces événements ont porté la cause palestinienne au devant de la scène euh, politique euh, médiatique. Euh, Est-ce que c'est une affaire aussi qui est gagnée par rapport à l'opinion de ce qui se produit réellement au niveau d'Araza et territoire euh, palestinien Ça aide malgré tout considérablement. Et euh, avant de penser à la défaite de l'autre camp, moi je pense plutôt à la victoire du camp palestinien. Et les Palestiniens qui pouvaient se dire sous les bombes ou pour les proches qui voyaient leur famille dans cet état de, 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 de misère provoquée, disant il n'y a plus rien, on ne sait pas ce qui se passe. Et bien maintenant, le débat sur le génocide, il est universel. Tout le monde parle de ça. et tout Plus le monde rien sait, ne sera comme avant. Tout le monde sait que c'est une violation la plus grave qui ait. Donc, euh, de ce point de vue-là, je dirais qu'on a déjà enregistré deux premières victoires, qui est un basculement du débat, et qui est de dire, et ça c'est notre travail d'avocat, de dire l'analyse des faits, on l'a effectué, maintenant on dit que juridiquement il y a une qualification, c'est le génocide. Troisièmement, on cherche à convaincre les juges. C'est la base de notre métier tous les jours. Et ce travail de conviction, on le fait aussi vis-à-vis -vis de l'opinion publique. Et en vous parlant, je sais que c'est entendu très loin, y compris dans, euh, en Palestine et dans les camps de, de réfugiés. Et on laisse passer ce message en disant, la porte du droit n'est pas fermée. Au contraire, elle est en train de s'ouvrir. Alors, autre question de l'auditeur rapidement, maître Dever, y a-t-il des chances pour que cette plainte aboutisse Il Vous a... êtes optimiste. Je suis optimiste, mais je suis surtout raisonné. C'est-à-dire que euh, je vois euh, l'évolution du, du travail qui a été fait depuis 2009. Nous en sommes maintenant à des réunions avec le procureur à peu près toutes les semaines ou tous les dix jours, en tout cas quand ça sera nécessaire, et on fait de véritables réunions de travail. Le, le bureau du procureur ne dit je pas me rendre sur place. Je ne peux pas me rendre sur place. C'est pas un obstacle à la procédure. Vous, vous avez les contacts et trouvez nous les bonnes informations. Donc c'est ce travail que nous faisons actuellement, mais euh, il faut faire confiance euh, parce que le travail existe, parce qu'on a des arguments forts, parce qu'il y a des précédents euh, à cette cour. Cette cour, elle est instituée pour faire appliquer le droit dans le monde, les gens qui y travaillent. Font le choix, font ce choix ici, et euh, c'est un travail de conviction tous azimuts. Il passe par les spécialistes du droit que nous sommes, mais il passe aussi par la conscience de chacun. Alors, euh, avec ce qui s'est produit récemment à Raza, bien sûr, avec ce génocide, est-ce que il est nécessaire aujourd'hui de, de réformer toutes les institutions internationales qu'elles ont euh, failli à leur mission Quelle est votre réponse justement à la question de l'auditeur de verre. On a un problème manifeste avec le Conseil de sécurité qui a même refusé un cessez-le-feu alors que des hôpitaux étaient attaqués, et que la santé de prématuré était en cause. Donc ça c'est quelque On chose. On parle d'une qui... trêve humanitaire et pas d'un cessez-le-feu. Eh ben oui, mais trêve humanitaire, je sais pas ce que c'est, Pause humanitaire, c'est du blabla, excusez-moi. Hein. Donc euh, le mmh. droit, c'est quand même fait pour s'appliquer. Et le Conseil de sécurité s'est mis dans une posture de complicité avec les, les, les criminels qui posent un problème lourd de fonctionnement. Bon, donc ça, c'est des questions qui seront à traiter. Pour le reste, eh bien on va pas attendre que ceux qui sont à la clé prennent des décisions pour se modifier eux-mêmes. Moi, j'appelle au travail de conviction tous azimuts. Ça passe par chacun, ça passe par notre travail collectif. Et il faut inverser l'ordre des choses. Mais un raisonnement, vous savez, la force d'un raisonnement, c'est une feuille blanche et vous commencez à écrire des mots. Et si les mots, ils sont justes, ils vont parler au monde entier. Donc nous, nous disons la justice, nous disons, expliquez-moi comment vous pouvez entrer dans un monde en disant qu'un est supérieur à un autre. Vous pouvez l'accepter, non Nous, on dit que chaque être humain est égal. Et qu'on va se battre tous à notre niveau pour faire respecter ce principe d'égalité de chaque être humain. Alors rapidement sur la question, le terrorisme est un prétexte fallacieux. Ce fut le cas où, euh, pour euh, l'Irak avec bien sûr l'assassinat de Saddam Hussein et avec aussi euh, ce qui s'est produit euh, en Syrie où on n'a jamais trouvé euh, l'arme chimique. Quelle est votre réponse Ben notre réponse, elle est dans la plainte, c'est-à-dire que nous on a dit la plainte, euh, l'enquête internationale des deux côtés. Et euh, ben, si je me trompe en tant qu'avocat, eh l'enquête en, le tranchera. Et ça, c'est une pratique d'avocat. Ce n'est pas à nous de juger. Pas, nous ne sommes pas des accusateurs. Nous ne sommes pas des juges. Et nous sommes là pour convaincre. Bon. Donc on a demandé que l'enquête soit faite des deux côtés. Et s'il si y a des abus qui ont été commis et que, du côté de la résistance, qu'il soit dit par la Cour. Mais par contre, on n'acceptera jamais de dire qu'une accusation est une preuve. Ça, c'est non. Et ensuite, on n'acceptera jamais une enquête israélienne. Parce parce qu'on a trop de précédents pour voir qu'à partir du moment où l'armée est en cause, les soi-disant enquêtes israéliennes, c'est absolument du n'importe quoi. Je raconterai simplement l'affaire dramatique de Haboutouraïa qui était un jeune palestinien très connu à Gaza et qui a été tué en décembre 2017. Il était paralytique parce qu'il avait été amputé des deux jambes à la suite d'une attaque par hélicoptère et il était très connu dans la société palestinienne. Il venait participer aux manifestations de ce qu'on appelait la marche du retour où les jeunes venaient devant la barrière et puis euh, voilà. Donc lui, l'acte héroïque qu'il faisait, c'était à la force des bras de monter sur des pylônes et de mettre des drapeaux palestiniens. C'était ça son terrorisme. Il a été abattu à bout portant, c'est-à-dire par des armes de précision à une centaine, même moins de 100 mètres, par une balle qui s'est logée juste au-dessus du crâne. Là. Et euh, tout de suite, la réaction, c'était de dire, c'est les Palestiniens qui l'ont tué pour nous accuser. Et experts balisticiens, et les généraux gradés qui venaient, et l'armée la plus éthique du monde, on avait droit à tout. Et finalement, c'était bien une balle euh, palestinienne qui l'avait tué. La famille, qu'est-ce qu'elle a fait La famille a accepté à notre demande, ce qui était énorme, une exhumation et une exhumation pour faire une autopsie. Et donc on a pu faire l'autopsie par les excellents médecins palestiniens qui ont ouvert le crâne et qui ont ressorti la balle. Et c'est une balle qui est une balle israélienne et de ces balles vous savez qui rentrent dans le corps mais qui explosent à l'intérieur pour faire le plus de dégâts possible. Donc voilà ce que c'est que les enquêtes israéliennes. Donc croire une enquête israélienne sur parole ou sur le pseudo expert, c'est non. La justice internationale ou Rien et la juridiction, les groupes armés ont toujours dit qu'ils se soumettraient à la justice internationale. Alors, euh, dernière question on va seconde, l'antisémitisme est devenu un argument pour museler aussi la société civile, puisque mmh. nous avons vu que tout le monde est prudent par rapport à l'usage de la terminologie au niveau des plateaux et des médias. Même vous, euh, maître de verre, sous risque d'être poursuivi, c'est ça aujourd'hui la grande menace qui pèse pour, euh, sur ceux qui disent la vérité. Ben, on a une circulaire du garde des Sceaux qui, effectivement, pose des problèmes tout à fait sérieux, vu qu'il y a une assimilation entre antisionisme et antisémitisme, et euh, le, le, de reconnaître la résistance armée comme étant une apologie du terrorisme. Donc, nous, on rappelle le sens des mots, on appelle qu'il s'agit de choses qui sont distinctes, et que pour ce qui est de la résistance armée, elle doit s'exercer dans le cadre du droit international humanitaire, et que euh, critiquer une politique sioniste n'a rien à voir avec l'anti juif vous avez le, le on dit antisémite maintenant le mot s'est imposé moi je connais je connais bien ce pays qu'est la france qui a voté ce qui était et qui avait adopté pendant de longues années ce qui étaient des dispositions anti juives et donc on doit être très prudent avec notre histoire parce qu'il y a eu tout un bloc de législation anti juive en france avec des tribunaux qui l'ont appliqué avec des universitaires qui ont fait des thèses là dessus donc il faut pas abuser des mots et euh, j'espère que on arrivera à rétablir cette réalité dans le débat que l'on ne peut pas assimiler la cause israélienne à euh, la cause juive. D'ailleurs, dans les, les ONG qui ont mandaté, il y a plusieurs organisations juives, dont la très importante Union juive pour la paix, euh, qui est une grande association en France. Euh, le monde est désormais divisé. Le monde est divisé. Oui. Eh bien, on cherche à le raccommoder. C'est ce que le langage du droit c'est un universalisme. Et quand on dit que tout être humain il est égal, on n'a pas du tout l'impression de diviser. La montée a... du racisme c'est une crainte aussi supplémentaire par rapport à ce qui se produit actuellement, notamment en France par exemple. Il faut revenir au principe, et quand les directions politiques perdent la boussole, eh bien c'est la société civile, ce sont les juristes qui disent vu que la politique a perdu la tête, c'est le droit qui doit rappeler. Voilà Et le droit, c'est de la science, c'est du savoir, c'est un, un travail qui, qui remonte de, depuis les sociétés les plus anciennes. Il se trouve que les sociétés les plus anciennes, ben, elles étaient dans le monde arabe. Maître Gilles de Devers, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon, on travaille et à bientôt. Et bonne chance à Alger également et bon séjour. Merci à vous. Merci, merci beaucoup.